Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec La Planète. On change de parc, oui. On va vers Wally Bay. Regardez, c'est juste derrière nous. Wow. Stéphane, t'es pas venu depuis combien d'années? Oh, 15 ans au moins. Ah, très bien, fort bien. Fort bien. Bah écoutez, moi, ça va être mon 6e parc d'attraction dans ma vie. C'est vrai? Ouais, j'ai fait plus de parcs Disney, ça va être la Découvertas. Ah, on est invité. Oui, on est invité, monsieur. Merci. Ah bah merci Walibi, hein. J'étais pas au courant, merci Walibi. Alors, on s'avoue qu'on s'est fait un petit kiff, oui, avec Stéphane. Regardez. On s'est acheté le Fast Pass, le Walibi Express. Le Walibi Express. C'était 45 euros illimité. Et une fois seulement pour la nouvelle attraction, le Conda. Mais ouais, tout le reste, illimitado, ça appartient à la Compagnie des Alpes, oui, qui est un groupe français qui a notamment le parc Astérix, le Futuroscope. Ouais. Et pour la petite histoire, sachez que généralement, il y a toujours les nouveautés en même temps dans ces parcs-là, parce qu'ils achètent en gros les attractions aux constructeurs et hop, ils font plaisir. Ça y est, c'est bon, on vient de rentrer dans le parc et on est accueilli par Walibi. Et on a sorti lui et moi. Ça, c'est vrai en plus. Et regardez avec qui je suis, j'ai trouvé Walibi. Bonjour. Ça va, t'es en forme? Super. Bon bah écoute, merci de nous accueillir et bonne journée à toi. Monsieur, excusez-moi. Oui. On s'est trompé de parc. Je rigole pas. Regarde. Ah, on dénote. Ah, on dénote. Stéphane, oui, on va à Vampire. Non, il y a la voiture qui m'attend. Mais je viens de déjeuner, chérie, attends là. Ça va pas aller, Rafi, ça va pas. Mais si. Oh non, tu veux commencer par quoi? Allumettes. Par les trucs d'allumettes là. Allumettes, c'est ça. C'est ça les allumettes? Bah bon, j'appelle ça allumettes. On commence par les allumettes alors. Je dois avouer, Stéphane. Oui. En fait, je connais un tout petit peu ce parc, je suis en train d'y penser. C'est vrai, t'es déjà là? Non, en fait, non. Ok. En fait, je jouais à Roller Coaster Tycoon 2 et il y avait un partenariat avec Six Flags et il y avait Six Flags Belgium. C'est vrai que ça s'appelait Six Flags. Et bah voilà. Et du coup, je vois une attraction Turbine là-bas qui est dans Roller Coaster Tycoon 2, les gars. Turbine. Rien que le nom déjà, c'est quoi Turbine? La combat, Turbine. Oui, c'est ça. Loup-garou. Loup-garou. Tout ça, tout ça, quoi. Première attraction, on a fait le loup-garou. La phrase de Stéphane, j'en ai perdu mes ovaires. Fais une remarque pertinente. C'était la première attraction de 2021. C'est vrai? Ouais. C'est la première attraction de 2021. Et j'ai envie de dire, ça démarre très fort sur la deuxième. Ouais, c'est quoi, c'est là? Bah, je sais pas, on va voir. On fait peut-être Vampire. Ah. Peut-être à l'envers. Bah, c'est parti. Vampire. Et Vampire. Vampire. T'as de l'ail? Bah, pour être Vampire. Here's your story, let's begin. Could be larger than life, bigger than the world, living now. Personnellement, j'ai hâte, Stéphane. Sérieux, Rafi, je peux pas. Il y a que des trucs de dingue ici, c'est pas possible. Oui, Stéphane, tu vas. Mais non, sérieux. Si, si, on y va. Je peux donner ma place à quelqu'un. On a fait Vampire, j'ai perdu la planète. On va voir son état MDR. Y'a rien qui va. J'ai envie de dire, là, tu fais le truc, tu peux laisser tous tes bijoux. Hein. Vous pouvez me dire ce que c'est, monsieur? C'est le bureau des passeports annuels. Le préfabriqué là. Tu peux faire la file d'attente pour ton Infinity si tu veux. Mais c'est, on dirait des toilettes. Le plus, le flex. Après on t'attend du Discovery, 300 euros. Ça passe quand même que c'est pas un parc qui est ouvert à l'année. Donc mais il me semble aussi qu'ils ont Aqualili. T'as pris ton maillot à poil. Regarde, j'ai trouvé ce qu'on va faire. Voilà, je vais faire ça. C'est beau, on dirait Fantasyland. Stéphane, j'ai trouvé où on va. Franchement, ferme les yeux, je te montre. Ouvre les yeux. Oh non, je fais pas ça. J'ai vomi là-dedans. J'ai l'estomac fragile, vous le savez, monsieur. Je ne fais pas ça. Vomi là-dedans, hein. Je vous donne pas. Hein. Ça y est, on est à Thunder Mesa et on cherche le train de la mine. Voilà, il y a un BTM. Il paraît, j'ai hâte de tester cette version belge. Ça peut être australienne. Non, voilà.
qu'on est en Belgique. Hein. Tu as préparé tes chapeaux et tes lunettes pour la randonnée la plus dingue de l'Ouest. J'ai tout préparé, hein. J'ai envie de dire que là... Faut lire les panneaux, hein. C'est par ici, monsieur, oui. C'est ça. Pour la randonnée la plus dingue de l'Ouest. Alors les gars, là c'est mon objectif de la journée, c'est d'emmener Stéphane là-dedans. Il va ? Jamais de ma vie, hein. Pourquoi ? Jamais de ma vie. Ah non. Mais c'est mon oncle la tote, hein ? Non, là je laisse mon passe. Je laisse mon passe à qui veut. La tote, c'est deux fois la tote. N'importe quoi, la tote c'est 40 mètres, hein. Non mais regarde, tu veux ça fait Stéphane, si tu fais ça, je t'achète un mini kangourou. Oh ! Ouais ? Et un mug aussi alors. Et le t-shirt. T'imagines la vue ? On voit électro-dépôt et tout, hein. Je peux pas, Rafi, je peux pas. Stéphane, oui, tu l'as fait. Au bord de la crise d'épilepsie, la chute dure quand même pas mal de temps, elle dure. Puisqu'on est quand même à 70 mètres, plus de 70 mètres de haut. Bravo Stéphane dans les commentaires. Merci, je peux dire que je tremble un peu. Tu veux monter le poney? J'adore. Tu sais que je montais à poney quand j'étais petit. C'est vrai? Ouais, je suis tombé, après j'ai arrêté. Évidemment, ça y est. Ma vie. On va faire un peu de mayonnaise, mais bon. On est à Exotic World. C'est très joli. C'est sympa. Hein. Mais regardez un peu. Eh, le... On dirait dans le Marcy Pulami un peu. Be there with you, no matter where you go. Life has a table for two, and we're starting the show. Ça y est, Koh-Lanta. Attention, l'épreuve du filet. J'y vais après la planète parce que j'admire le spectacle. Ni certain, ni serein. Bon, en fait, ça va, t'exagères. Ah ! Stéphane ! C'est vraiment un salopard ! Tu m'as mis au Dalton Terror. Ah, voilà tout ce que tu nous fais subir depuis... Arrête, Stéphane ! Koh-Lanta. Non, arrête ! Je fais le toboggan. Tu le fais ou pas ? Bah écoute, j'ai pas le choix. À l'arrivée... Ouais. Alors, on va aller faire cette attraction, je sais même pas comment elle s'appelle. Kata ? Non. Tikiwaka. Tikiwaka ? C'est un peu exotique. Mais c'est très très c'est beau. Très sympa. Très... Ouais. C'était trop bien, le Waka Waka. Waka là. Tikiwaka. C'est trop bien. C'est l'attraction de Shakira. C'est très fluide. C'est très, très fluide. C'est drôle. Ouais. Et presque ça devrait spinner, tu sais, comme Nemo. Oui, c'est ça. Comme Crush Coaster. En fait, tu aurais le spin, bah, ça serait parfait. Ouais. Du coup, maintenant, il y a des amis qui nous rejoignent. On va aller manger, donc on va trouver où manger. En fait, je suis complètement perdu parce que je n'ai pas l'habitude de parc d'attractions et je suis formaté Disney. Il est midi, ça fait donc 2 heures qu'on est là. On a déjà 5 ou 6 attractions grâce au passe-passe, là. Sur Pulsar avec Stéphane. Stéphane, t'es prêt? Bah, je me suis déjà dessus parce que j'ai peur d'être mouillé. Le kawaii, chérie, le kawaii. Tout mouillado, mais c'était vraiment une super expérience, Stéphane. J'ai dû enlever ma culotte. Content parce qu'on va manger, on est très très faim. Il paraît qu'il y a du poulet. Meilleur que KFC. Alors j'espère surtout qu'ils ont des frites mayo parce que là j'ai envie de dire que. Plus intéressé par les frites que le poulet. Hein. Et voilà Stéphane. Sans masque. Sans masque, oh, c'est vrai, parce qu'on est à table, on mange. Oui. Donc on s'est pris des petits tenders avec boissons et frites. 12 euros. C'est pas bien plein. Hein. C'est trop kiki et il y a plein de petites aires de jeu comme ça et je trouve que c'est super sympa. Surtout à côté des attractions à sensations, ça permet aux personnes qui n'ont pas la taille de pouvoir s'occuper. On est à Konda, est-ce que vous voyez déjà la peur se lire sur mon visage? Non. Ah, t'es vraiment sûr, Rafi, là? Mais oui, let's go! Allez, c'est parti. Let's go!
regardez, on n'a jamais été aussi calme. C'était ouf. Non mais le truc c'est horrible. Et tu voles hein. Non mais vraiment, tu décolles de ton truc. Le problème c'est vraiment, moi j'aurais préféré quand même être plus maintenu là. Parce que non mais t'as des longues. Mais c'est la folie. Non, on n'a pas la tête à l'envers. Non, on même pas. C'est fabuleux. C'était trop bien. C'est le meilleur coaster que j'ai fait de ma vie. Ah non, mais airtime, la sensation c'est quand tu décolles et de reprendre jusqu'au bout. La gare est belle, le coaster est bien, mais le parcours il est pas. Enfin, tu vois le mec qui fait son barbecue quoi. C'est ça quoi. Ah oui. Oui. Ah oui, non, tu vois l'électro-dépôt juste à côté. Oui, tu vois l'électro-dépôt, voilà, mais... T'as ouvert les yeux toi? Parce que moi, il est vraiment où j'étais quoi. C'était sympa. T'as survécu? Écoutez le prix, 28,90€. Tu déconnes? Ouais, je te promets. Regardez. C'est que dalle. Les masques. Les masques t'aimés. Les masques, le masque buccal. Ça, c'est pas mal. Le masque Konda, 8,90€ quand même. J'ai envie de dire. On est devant Toutankhamon, Challenge of Toutankhamon. Malheureusement, l'attraction est fermée. Parce que pourquoi? Parce que la Belgique, elle veut pas qu'on puisse être bah à l'intérieur. Bah oui, endroit cloche ou... Donc, ah bah du ouais. coup, donc non c'est radeau quoi. Ah, donc, peut pas. Un Buzz Lightyear bataille laser. Ah ok, donc c'est interactif. Un peu en... Ok, voilà, ça marche. L'inconnu total. On sait pas ce qui nous attend. Par contre, il y a une ambiance de malade. Oula, ça tremble. Putain, j'avoue que ça tremble. Vous entendez ou pas? Hollywood, 1939. Dans les strass et les paillettes d'un Hollywood à l'apogée de son âge d'or. J'ai envie de dire qu'il y a des paillettes là. Tu sais qu'on va en arrière? Je rigole. Non, regarde, les gens sont derrière. Kawé, le Kawé. Est-ce que t'es prêt? Non. Ah, j'adore. Attends, j'ai ma casserole. Tu me crois maintenant quand je te dis que c'est à l'envers? Non, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu. Ah, j'adore. Si je filme, on est tout en haut. J'ai trop peur. Là, on va tout mouiller parce que les vues à l'arrivée, ils sont percés quoi. 1, 2, 3. Non, mais mes chaussettes, elles sont toutes mouillées. J'ai les pieds percés, les gars, là. Mes chaussettes, elles sont toutes mouillées, je suis dégoûté. Percé, mouillé. Du verbe je te perce. Je perce, voilà, elles sont percées. On dit ça? On dit ça chez vous? Percé, c'est quand tu fais un trou. Ah oui, elles sont percées, donc elles sont mouillées, excusez-moi. Ah, voilà. I was lost and incomplete. I didn't know where I should go. On vous présente le bébé Konda. Et le Konda. À mon avis, on appelle ça un 101, c'est pas ça? Un one-one, c'est pas ça? Qu'est-ce qu'il faut? Il est en panne. On appelle ça. Ah non! Les bouées, messieurs, dames. Regardez là. Super fun, mais c'est la mouilladasse assurée. Hein. La mouilladasse? Oui, du verbe mouillader. Exactement. Très bien. Derrière la vie d'influenceur. Mais je file la connasse! Il manquait Pixar à Walibi. Et ça y est, pour 2 euros, vous pouvez vous faire sécher. Donc, bah, pas plus mal. Donc, bah, allez. Non! Donc dans la Raja River et je pense que ça va bien mouiller les gars. Ça veut dire on ferme le manteau, on met la capuche parce que là je peux vous dire si je suis mouillé Raphaël, je te gorge. Attends, qui s'en fout? Quoi? Je m'en fous. Non mais les gars c'est la douche. Là c'est la douche. Arrêtez le truc hein. Arrêtez le bordel hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Levez les pieds. J'ai failli retourner sur Konda moi. Le meilleur arrive. Là c'est car wash. C'est lavage complet. Regarde, on l'a évité. Non, non, là c'est... Oh merde. Là c'est pré-lavage. Oh my god, c'est ma... On va attraper des mycoses moi avec l'eau hein. Et non mais moi avec mes pas attraper des mycoses hein, avec l'eau ici. Non mais vraiment. Et regarde ce qu'on va faire en face à nous là. Je peux vous dire quelque chose quand même pour passer une super, ah, super journée ici à Walibi, on se régale. C'est pas terminé parce qu'on a un genre de sirocco. Ah wow. Sirocco. Oui, on appelle ça sirocco.
Alors Stéphane, oui. Donc t'as fait un sondage ce matin, à 10h30, exactement, pour savoir si tu devais faire une attraction, et j'aimerais le résultat des votes. Ce que vous voyez, 63% oui, donc tu dois faire la gerbasse. Un dernier mot ? Je suis pas bien. Pour la commu, un dernier mot. Adieu. Défi réussi quand même. Hein. Défi réussi, défi réussi. Félicitations la planète. Merci beaucoup. Hein. Alors, les tu es là. Stéphane, oui. Il est 17h49. Il nous reste 10 minutes. Ouais. Je te propose des allumettes. Oh mon Dieu. Vas-y, on se dépêche. Allez, on se brouille. On se brouille. On y est. En 3 minutes. Stéphane, oui. C'était quand même une putain de journée. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Et merci de m'avoir fait découvrir Bolivie Belgium. C'est chouette, hein, t'as bien aimé. C'était bien. Et l'accueil. L'accueil était top. On a quoi t'as dit. On a le carousel de Lancelot. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Distanciation physique. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Le mascotte. Y'a rien qui va. Mais par contre, oui. Les attractions. Oui. L'accueil. La propreté. On les remercie d'ailleurs. Ouais, franchement, merci encore à Walibi. Encore une fois, on voit que les meilleurs dans le domaine de la sécurité, et c'est Disney. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On s'est éclaté, on a rencontré certains d'entre vous, on s'est amusé, on a profité, on a eu du beau temps, ouais. Le cadre reste beau. Moi j'ai bien aimé Konda quand même. Ah Konda. Je flippais quand même. C'est maintenant qu'on va vous quitter. Avec Walibi. Merci Planète Disneyland. Avec plaisir. Ah, sur merci. Instagram. Oui. N'hésitez pas à aller checker Planète Disneyland. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, elle a été longue. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En attendant, on se retrouve très très bientôt. Et tu fais avec moi à 3, ciao ciao. Allez, 1, 2, 3, ciao ciao, ciao.